losambo nangai kolo ya nolae kolela. Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue encore une fois de plus à l'école de la parole de Dieu où nous étudions les Saintes Écritures avec simplicité, clarté et sans compromission. J'espère que vous allez très bien et que la parole de Dieu est en train de prendre ses racines dans votre vie et que vous êtes en train d'expérimenter le meilleur de Dieu pour vous. Dieu a un plan, il a une volonté pour tout un chacun de nous, mais les plans et la volonté de Dieu ne se réalisent pas automatiquement dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à le rechercher par la prière, par la méditation de sa parole, en nous humiliant et en lui donnant le feu vert dans notre vie, en disant « Seigneur, non pas notre volonté, mais que la vôtre soit faite. » Aujourd'hui, nous allons conclure avec Job, parce que c'est un sujet vraiment qui fait couler trop d'encre. Il y a plusieurs personnes qui, en étudiant la vie de Job, ils ont déjà un préconçu religieux. Plusieurs personnes étudient les Saintes Écritures avec une image déjà modélée en eux, dans leur fort intérieur. Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est trouver des voies et moyens pour accommoder la parole de Dieu à l'image qu'ils ont déjà dans leur cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu lis les Saintes Écritures déjà avec quelque chose en tête, avec un préjugé, un préconçu, il te sera difficile de nuancer le verset biblique et de le comprendre exactement comme Dieu veut que tu le comprennes. Le cas de Job est notre cas le plus précis. Pourquoi? Parce que c'est ce personnage de Job qui est utilisé comme référence par plusieurs d'entre nous pour dire que même Satan ne peut pas toucher à notre vie sans la permission de Dieu. Et je vous ai montré avec les vidéos précédentes, avec les enseignements, les leçons précédentes, que ce qui s'était passé avec Job n'était pas le Seigneur accordant la permission à Satan pour nuire à la vie de Job, ou bien pour tenter la foi de Job. Mais plutôt, c'est Satan qui se rend compte finalement de l'impact du péché d'Adam sur la race humaine. Il y a un de mes frères qui, après avoir suivi les enseignements de la fois passée, m'a dit comment mes deux interventions ont ouvert ses yeux parce qu'il se rend maintenant compte qu'il faut reconstruire l'histoire et prendre le texte dans son contexte. Job a vécu avant la venue de Jésus sur la terre. Mais pas même ça, il a vécu avant que Dieu ne donne la loi à Moïse. Il a vécu bien avant ça. Et avant la loi de Moïse, il est aussi descendant d'Adam et Ève. Le péché qu'Adam et Ève, nos ancêtres, ont commis, a eu une très grande répercussion jusqu'à ce jour sur ceux qui ne comprennent pas la volonté de Dieu. Et Job, étant récipient du sang d'Adam, étant le fils d'Adam, ayant la nature pécheresse, la nature déchue d'Adam, était d'office au pouvoir de Satan. Pourquoi? Parce que, comme le frère venait de me dire, me disait à cause de deux vidéos précédentes, qu'il y avait comme un voile qui était sur la race humaine. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois droit, intègre ou pas, tu étais d'office sous ce voile-là de Satan. Et quel que soit ce que tu faisais, tu n'avais pas le pouvoir de renverser Satan. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer ici. Est-ce que vous savez que dans le livre de Job, nous qui le lisons aujourd'hui, nous avons une autre image que celle que Job avait alors que ces événements prenaient place? Quand ces événements prenaient place, Job ne savait pas ce qui se passait. Comment en un jour, il est parti d'être le monsieur le plus prospère de tous les fils d'Orient, au monsieur le plus misérable, au plus méprisable de son temps. Comment en un jour, il perd 3 filles, 7 garçons. En un jour, il perd des milliards de dollars, en notre terme aujourd'hui, parce qu'il a perdu ses brebis, il a perdu ses serviteurs, il a des dettes,
il y a deuil partout. Comment en un seul jour, toutes ces choses se sont accomplies dans sa vie? Vous et moi, nous avons le bénéfice de savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que nous pouvons aller behind the scene, nous pouvons aller derrière la scène pour voir le montage, la mise en scène, comment est-ce que Satan orchestrait tous ces malheurs dans la vie de Job. Mais Job lui-même ne savait pas. Est-ce que vous savez que Job, jusqu'à sa mort, n'avait jamais su que c'était Satan qui lui avait fait du mal? Job n'avait jamais su. Et d'ailleurs, le livre de Job a 42 chapitres. Alors, je n'aurai pas le temps d'expliquer chapitre par chapitre ici. Mais si vous étudiez la narration de chaque chapitre, vous allez découvrir qu'à la fin du jour, Job et ses amis arrivent à une conclusion. Soit il y a un péché dans la vie de Job, soit c'est le Seigneur qui est en train de juger Job à cause de ses crimes, à cause de son hypocrisie. C'est la conclusion même que Job aura au fur et à mesure que sa peine va augmenter, va exceller, sera amplifiée. Job va arriver à un point donné, si vous lisez le chapitre 6, chapitre 9, chapitre 14, chapitre 15, Job commence à condamner le Seigneur, à dire: Seigneur, c'est toi qui me fais ça. Tu m'as créé pour me faire du mal. C'est toi qui me fais ça. Mais Job ne savait pas que Dieu était innocent dans toutes ces choses. Que dans tout ce malheur, Dieu n'y était pour rien. C'est le diable qui, en Job chapitre 1, verset 6, avait considéré Job, la croissance matérielle, émotionnelle, familiale de Job avait suscité la haine, la colère, la cruauté, la méchanceté, l'envie de Satan. L'envie de Satan a été suscitée par la prospérité de Job. Et à cause de cela, Satan est venu pour lui faire du mal. Il est allé se présenter devant Dieu et le Seigneur lui a dit: « As-tu considéré mon serviteur Job ?» Et je vous ai dit ceci, le verbe « considérer » qui est utilisé dans la version de Darby, dans la Bible du Semeur et dans toutes les autres versions bibliques, la Bible de Louis II, révisée de 1910, dit « As-tu remarqué mon serviteur ?» Et je vous dis, ce n'est pas la meilleure traduction, la meilleure translation. La meilleure traduction, c'est le verbe « considérer ».« As-tu considéré mon serviteur Job ?» Cela veut dire quoi ? « As-tu observé longuement ? » ?»« As-tu pris à cœur de faire du mal à mon serviteur Job ?» Pourquoi ? À cause de sa bénédiction. Et la même chose s'applique avec vous. Quand la grâce de Dieu est sur vous, quand la bénédiction de Dieu est sur vous, elle va susciter l'envie du diable qui viendra pour vous détruire. Laissez-moi poser pour une seconde ici et vous dire ceci. Votre combat spirituel est déterminé par la bénédiction que vous portez. Il y a certaines personnes qui ne souffrent pas ce que vous souffrez parce qu'ils ne portent pas le fardeau de bénédiction que vous avez. Ceux qui n'ont pas aussi de grandes choses comme vous, leur vie, elle est normale. Mais vous, parce que vous portez quelque chose de très important, quelque chose qui va étendre les royaumes des cieux, qui va profiter à plusieurs personnes, l'ennemi va focaliser son attention sur vous. Certains d'entre vous qui me suivez aujourd'hui, vous vous posez des questions: mais Seigneur, pourquoi certaines choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi certaines portes ne sont pas ouvertes? Pourquoi est-ce que certaines personnes excellent autour de moi? Et moi, je n'excelle pas. Et tu regardes ta vie, tu analyses ta vie, il n'y a rien de mauvais. Je vais te dire, il y a un ennemi qui vient pour voler, pour égorger, pour détruire. La Bible nous dit, votre adversaire, comme un lion rugissant, va autour de vous. Il rôde, cherchant qui il peut dévorer. Tu suscites la cruauté, la méchanceté de l'ennemi à cause du fardeau que tu portes. Mais je vous dis, cet ennemi-là est déjà détruit. Parce que sur la croix, le Fils de l'homme a écrasé sa tête. Et il t'a donné, toi, le pouvoir de résister au diable. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Si tu ne résistes pas, il ne fuira pas loin de toi. Anyway, continuons un peu dans notre conclusion ici. Allons-y au chapitre 2e du livre de Job. Commençons avec le verset 1. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel et dit, «
de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Vous voyez, si je peux m'arrêter ici, la réponse que Satan donne à Dieu au verset 2, c'est la même réponse qu'il a donnée au chapitre 1er. Quand Dieu lui a demandé, tu viens d'où? Il dit, oh, je viens de la terre de me promener ça et là. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est ceci. Satan est prédictible. Ce que le diable fait est prédictible. Satan n'est pas un génie créateur. Il fait les mêmes choses. Il est limité. Il n'est pas créatif. Le diable n'est pas créatif. Il n'invente pas de nouvelles choses. Ce qu'il fait, il prend le même piège et il l'emballe dans de nouveaux papiers. Il le met dans de nouveaux emballages. Mais il reprend toujours le même cycle. Il est comme une roue qui tourne. Il va en circonférence comme ça, sur le même point. Le diable est prédictible. Tu peux toujours savoir ce que le diable fait. C'est pourquoi Jésus dit, il ne vient que pour trois missions. De voler, d'égorger, de détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Tu peux toujours savoir ce que le diable veut faire. Il veut faire du mal, il veut voler ce que tu as, ou il veut carrément en finir avec toi, en découdre totalement avec toi. Ah, c'est très important. C'était au verset 2. Maintenant, nous allons lire au verset 3. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal ? Et encore, il reste ferme dans sa perfection, alors que tu m'as incité contre lui pour l'engloutir sans cause. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Po, est-ce que... Et tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. » Disons ceci en français courant. Satan dit à Dieu, « Job est encore fidèle parce que tu n'as pas encore touché à sa personne physique, à son corps. Tu n'as pas encore attaqué sa santé. Tu as attaqué ses enfants, ses brebis, ses serviteurs, mais tu ne l'as pas touché lui-même. C'est facile pour lui parce que, bon, bien qu'il est en peine, mais cette peine n'est pas intime. Elle n'est pas dans son propre corps. C'est pourquoi il dit ici au verset 4, peau pour peau. C'est ce que ça veut dire en français facile. Et tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. Verset 5, mettant ta main à touche à ses os et à sa chair, tu verras s'il ne te maudit pas en face. L'Éternel dit à Satan, je vois là entre tes mains, seulement épargne sa vie. Encore ici, le Seigneur ne donne pas la permission au Satan de toucher à la vie de Job. Il dit tout simplement à Satan, Job est déjà entre tes mains. Job est déjà entre tes mains. Pourquoi est-ce qu'il est entre tes mains? À cause du péché d'Adam, Job est entre tes mains. Job n'est pas né de nouveau. Il est encore sous le voile du péché adamique. À cause de cela, il est sous ton pouvoir. Vous savez, mes frères et sœurs, si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas vous comparer à Job. Ce que vous avez aujourd'hui est plus grand que ce que Job avait. Je n'ai pas le temps de vous le lire, mais le livre des Hébreux, chapitre 11, nous relate l'histoire des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu avant Jésus-Christ. Les gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu, des hommes comme Job, on parle d'Abel, on parle d'Enoch, on parle de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Sarah, de Gédéon, de Samson, de Daniel et toutes ces personnes. Le livre des Hébreux, chapitre 11. Mais lisez la conclusion de ce passage-là. On nous dit que ces gens-là de l'Ancien Testament, tous ces héros-là, tout ce qu'ils avaient était infiniment petit par rapport à ce que toi et moi, nous avons. Ils auraient voulu être à ta place. Oui, toi, tu n'es pas comme Job. Plusieurs chrétiens qui s'identifient à Job, ils ne reconnaissent pas vraiment ce qu'ils sont en Christ. Toi, tu n'es pas comme Job, parce que Job n'était pas né de nouveau. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, il dit, clarifie un peu. Ça signifie quoi que Job n'était pas né de nouveau? Être né de nouveau, c'est cette régénération de ton esprit qui prend place quand tu confesses de ta bouche que Jésus est fils de Dieu, quand tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cette nouvelle naissance-là, elle te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion. Au lieu d'être en dessous du diable, tu deviens au-dessus du diable.
Maintenant que tu es né de nouveau, tu n'es pas comme Job. Regardez au moins ma main. Ça, c'est Job. Il est en dessous du diable. Toi qui es né de nouveau, tu es au-dessus du diable. Tu ne peux pas te comparer à Job. On ne peut pas le comparer. C'est comme qui dirait quelqu'un qui suit. Quand j'étais petit, on suivait le film sur VHS. Le VHS, ça s'appelle comment? Le cassette vidéo, les grosses cassettes vidéo qu'on avait dans le temps. La qualité n'était pas aussi bonne, hein? Mais à l'époque, là, c'était bien. Mais aujourd'hui, avec la technologie, quand vous regardez un film HD haute définition, comparé avec le VHS, celui qui suit le film aujourd'hui en HD ne peut pas envier celui qui suivait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme conduire une voiture aujourd'hui et conduire le modèle T de Ford de 1930-1936. Deux choses différentes. Job était là-bas, sous la puissance du diable. C'est pourquoi Dieu dit au verset 6, « Voilà, Job est entre tes mains. Mais toi, tu n'es pas sous la main du diable. Si tu es né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, tu es sous la main du diable. Mais si tu es né de nouveau, la Bible dit, c'est lui qui est en toi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Job, il n'avait pas quelqu'un en lui. En Job, il y avait la nature d'Adam. Tous ont péché, sont privés de la gloire. Vous voyez un peu ça? Très important. Verset 7. Satan sortit de la présence de l'Éternel et il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. J'ai essayé d'analyser cette maladie, mais je n'arrive toujours pas à déterminer dans nos termes de la médecine actuelle la nature de cette maladie. Mais on montre qu'il avait l'ulcère qui allait de la plante de ses pieds à sa tête. C'est comme qui dirait, sa peau commençait à tomber, plus que la lèpre, plus que le virus d'Ebola. C'était extrêmement pénible. Il avait des furoncles, des boils, comme on dit ça en anglais, mais ulcère, ulcer. Satan l'a frappé de cela. Maintenant, arrêtons-nous un peu là-bas pour un instant. Job était tombé malade physiquement. C'est comme ça que Satan a touché à sa vie en le frappant de maladie. Job n'a pas vu Satan venir chez lui, frapper à la porte et dire « Allô, je m'appelle Lucifer, je suis venu te frotter cette poudre qui va produire sur toi l'ulcère malanant. » Le diable spirituellement a soufflé une puissance de maladie. Une maladie spirituelle qui se traduit dans le physique de Job. Il y a certaines maladies qui n'ont pas de source naturelle. Je dirais que toutes les maladies, à la longue, si vous retracez la ligne, toutes les maladies sont connectées au péché d'Adam. Mais il y a des maladies qui sont immédiatement de produits du monde spirituel, une maladie démoniaque. J'en ai vu à plusieurs reprises. Je me souviens, j'étais dans un certain pays en Afrique de l'Ouest, en Namibie, où il y avait un jeune homme qu'on m'a amené pour la prière. Il avait à peu près 19 ans, entre 19 et 21 ans. Un jeune garçon de la tribu là, de Namibie qui parle en cliquant leur langue, de Damara. Ouais, ouais. Il était malade, il avait un problème de folie. Comment est-ce qu'il était devenu fou? C'est parce qu'il est allé consulter un marabout, un féticheur. Et on lui avait donné certaines conditions. Il n'a pas pu honorer ces conditions et en revanche, il est devenu fou. Il est devenu fou automatiquement comme ça. Sa maladie n'était pas causée par un régime médiocre ou bien quelque chose d'héréditaire. Non, c'était une maladie avec une influence démoniaque. C'est parce qu'il a contracté un arrangement avec les diables, il a eu un contrat avec Satan. Sa maladie était le fruit du monde spirituel. C'est un peu ce que je vais dire par ici. Et dans son cas, on a prié pour lui. Il y avait moi, il y avait un autre pasteur zambien qui prêchait à la même conférence. On a prié et le jeune homme était guéri. En ayant 2 ou 3 jours, il est revenu, il était normal. Sa folie était totalement partie. Donc, le cas de Job ici, Job n'était pas malade parce qu'il n'observait pas son régime,
sa diététique, l'exercice, ce n'était pas quelque chose qui était dans son sang de maladie héréditaire, non. Ce n'était pas une épidémie qui était à cette époque-là. C'était le diable qui a orchestré cette maladie. Vous savez, il y a certaines maladies que les gens ont parce que, à cause de leur génétique. Ce sont des maladies qui sont dans des familles, des maladies de sucre, de sang et tout ça. Mais il y a certaines maladies que les gens ont qui sont directement influencées par les diables. La plupart des femmes qui sont stériles ont un problème spirituel. Il suffit seulement de commander au nom de Jésus, de mettre la main sur les entrailles et dire « Au nom de Jésus, stérilité part. » Et vous allez avoir des enfants. Il suffit de commander aux organes de reproduction, soyez féconds. Vous allez voir ça. Le diable a attaqué Job directement par la maladie. Et je connais personnellement faire la distinction entre une maladie démoniaque et une maladie qui n'est pas démoniaque dans ce sens ici. Et j'aimerais clarifier ici. Quand je parle de maladie démoniaque ici, je parle d'une maladie qui est le résultat direct d'une influence démoniaque. Et une maladie que je dis non démoniaque, c'est une maladie qui se développe au fur et à mesure parce que nous vivons dans un monde déchu. La nourriture, l'exercice, la santé, les soins personnels. Quand une maladie est directement influencée par les diables, je les vois dans plusieurs cas, une fois que le démon est chassé, automatiquement, il y a guérison. Mais quand une maladie n'est pas influencée automatiquement par le Satan, des fois, ça prend du temps. On prie et la personne doit maintenant exercer sa foi. Ça peut lui prendre une semaine, ça peut lui prendre 6 mois, ça peut lui prendre un peu longtemps comme ça. Ce n'était pas mon sujet, mais je devais prendre cette tangente-là pour expliciter le verset 7. Et la Bible continue à dire comment est-ce qu'il a souffert. Maintenant, sa femme lui dit au verset 9, « Restes-tu encore ferme dans ta perfection ?» Est-ce que vous savez que quand sa femme parlait, c'était le Satan qui parlait par cette femme-là. Une femme qui craint Dieu est appelée à soutenir, à encourager, et non pas à décourager. Nous avons besoin des paroles d'encouragement et non pas de paroles de découragement. Et la femme va lui dire, maudit Dieu meurt. Et Job lui dit, toi tu parles comme une femme insensée. Maintenant, au verset 11, on nous montre que Job a eu 3 amis. Le premier était appelé Eliphaz, le deuxième était appelé Sophar, et puis le troisième était Bildad. Donc Eliphaz, Bildad et Sophar. Donc, les 3 amis de Job, Eliphaz, Sophar, Bildad, j'espère que je prononce bien ces noms-là. Ce ne sont pas des noms français, Eliphaz, Bildad, Sophar. Je n'ai jamais écouté un homme français appeler frère Eliphaz, ou bien frère Bildad, ou bien frère Sophar. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Et je crois que j'ai fait mon mieux. Eliphaz, Bildad et Sophar. Quand ces 3 messieurs se présentent, ils vont faire 7 jours sans parler. Parce que la peine de Job est indescriptible. Après avoir analysé la situation, tout ce qu'ils se sont dit, c'est que ce Job doit avoir commis un péché contre l'Éternel. Il y a la narration de leur discours qui est révélée en plus de 9 chapitres qui sont confiés nécessairement à leur narration, comment est-ce qu'ils vont parler. Et tout ce que ces gens vont dire, c'est que Job est en train de souffrir à cause de ses péchés. Et j'aimerais vous dire quelque chose ici de très important. Pourquoi? Quand tu souffres dans ta vie, cela n'est pas nécessairement à cause du péché. Oui, ce qu'un homme sème, il le moissonne. Celui qui sème le vent, il moissonne la tempête. Mais des fois, la souffrance n'est pas toujours liée au péché. Nous avons beaucoup de cas dans les Saintes Écritures, des hommes et des femmes qui ont souffert, non pas à cause du péché. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas souffert, il n'était pas un homme de pleurs et habitué à la souffrance à cause du péché, parce qu'il a vécu sans péché, mais à cause de l'ennemi. Mais la Bible nous parle aussi de l'apôtre Paul. Partout où l'apôtre Paul est en train de partir, il est soit lapidé, il est soit acculé physiquement, il va en route vers Jérusalem, vers Rome, et leur navire va chavirer quelque part, et un serpent, une vipère va s'attacher à sa main.
Donc, il est parti de problème en problème, non pas parce que l'apôtre Paul était un pécheur, bien au contraire, c'était un homme de Dieu. Mais faire l'œuvre de Dieu suscite l'envie du diable. Dans le cas de Job, ce n'est pas que Job était un pécheur. Non, c'était l'envie que le diable avait sur lui. Le diable a muselé sa colère sur Job à cause de l'envie. Ses trois amis, ils avaient commis une erreur grave en accusant Job de péché. Non, tu as péché, c'est pourquoi tu souffres toutes ces choses. C'est pour ici vous encourager, quand vous souffrez dans votre vie, ce n'est pas toujours à cause du péché. Mais des fois, vous souffrez à cause de la bénédiction que vous portez en vous-même. Très, très important. Pour conclure, allons-y au chapitre 42e. Nous allons lire à partir du verset 7e. Et il arriva après que l'Éternel eut dit ses paroles à Job, que l'Éternel dit à Eliphaz le Thémanite, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux compagnons, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. » Vous savez, si je m'arrête d'abord là-bas, très important, le Seigneur est en train de réprimander Eliphaz ainsi que ses compagnons. Si vous regardez Eliphaz et ses compagnons, il y a 9 chapitres dans le livre de Job qui démontrent leur narration, qui racontent leur narration, leur parole. Donc, tout ce que Eliphaz, Bildad et Sophar ont dit à Job est enregistré en 9 chapitres. Et à la fin de ces 9 chapitres, ici, on dit que l'Éternel le réprouva, le réprimanda. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. Juste parce que quelque chose est dans la Bible ne signifie pas nécessairement que c'est la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 9 chapitres dans le livre de Job qui sont dédiés à ces 3 personnes. Et après avoir fait 9 chapitres de discours, le Seigneur vient le réprimander. Donc, si vous lisez le 9 chapitres qui constituent les discours de ces trois messieurs, vous devez prendre cela avec grain de sel, parce que ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de ces gens ici. Très important, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Au verset 8, « Maintenant, prenez pour vous 7 taureaux, 7 béliers, allez vers mon serviteur Job, offrez un holocauste pour vous, et mon serviteur Job priera pour vous. Car lui, je l'aurai pour agréable, afin que je n'agisse pas avec vous, selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Eliphaz le Thémanite, Bildad le Shukite, Sophar le Namathite, allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut Job pour agréable. L'Éternel rebâtit l'ancien état de Job quand il eut prié pour ses amis, et l'Éternel donna à Job les doubles de ce qu'il avait eu. Très important. Versets 8 à 10 nous montrent comment est-ce que Job retrouve tous les biens que le diable lui avait arrachés. Le Seigneur montre à Job, il s'adresse d'abord à ses 3 amis, d'amener des sacrifices, 7 béliers, 7 taureaux, des holocaustes, afin que Job puisse les offrir à l'Éternel. Et la Bible ajoute ici, l'Éternel a rétabli Job dans son ancien état, lui donna même le double pour ce trouble quand il lui priait. Qu'est-ce que nous retenons de ce passage? Quand l'ennemi a détruit votre vie, comment est-ce que vous retrouvez ce qui vous a été arraché? Votre santé, vos finances, votre famille, votre avenir, votre ministère, tout ce que le diable vous a arraché, vous pouvez le retrouver par l'intercession. La Bible dit, quand Job a prié pour ses amis, quand il a offert l'holocauste à Dieu, il a prié pour eux, alors il fut restauré. Il y a la puissance d'intercession. Quand nous parlons de la prière d'intercession, c'est ce que la Bible appelle aussi la prière d'autorité. Dans le cas de Job, il est allé se présenter devant Dieu avec l'holocauste. Pour nous, aujourd'hui, nous nous présentons avec Dieu par Jésus-Christ. En utilisant, en exerçant le pouvoir de la croix de Golgotha, nous avons aujourd'hui la capacité de retrouver tout ce qui nous a été arraché. Et à la fin du jour, Job a eu le double pour ses troubles. Après que Satan ait dévasté la vie de Job,
le Seigneur est revenu pour donner à Job plus. C'est comme qui dirait, c'est le Seigneur a fait payer au diable plus que le diable avait arraché. Et la Bible dit que même les enfants de Job sont devenus les plus beaux enfants de la contrée. Et Job, après ceci, a vécu 140 ans. Donc, le Seigneur lui a donné la longévité, le Seigneur lui a restauré, il lui a donné toutes choses. Voici la partie que plusieurs qui étudient les livres de Job ne veulent pas exploiter. C'est la restauration. Vous voyez, ici, nous voyons la volonté parfaite de Dieu pour Job et pour tout un chacun de nous. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Job puisse finir sa vie misérablement, mais c'était plutôt pour que Job puisse être un témoignage de la victoire. Le Seigneur n'avait pas causé le malheur de Job. Le Seigneur n'avait pas permis le malheur de Job. Mais le Seigneur a restauré la vie de Job. Le diable a cherché à détruire la vie de Job. Mais à la fin du jour, le Seigneur a béni. C'est ça la nature de Dieu. Je suis là pour vous dire, mes chers frères et sœurs, que s'il y a des choses qui vous ont été volées, s'il y a des choses que vous avez perdues et que l'ennemi a attaquées, vous devez vous tenir dans vos promesses. Vous devez vous tenir dans l'intercession. Vous devez commander aux puissances démoniaques de libérer. Et vous devez commander à tout ce qui vous a été arraché de vous être restauré. Et vous l'aurez. La Bible nous dit, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, « Je vous restaurerai les années qui ont été dévorées par la sauterelle et par la grande armée qui a été envoyée vers vous, dit l'Éternel. » Nous avons un Dieu, nous avons un Dieu de restauration, un Dieu qui veut vous donner plus que ce que vous avez perdu. C'est ça la vraie volonté de Dieu. Et c'est ma prière aujourd'hui qu'en lisant le livre de Job, vous puissiez avoir une autre image. Une image d'un bon Dieu et d'un mauvais diable, plein d'envie qui vient pour nous attaquer. Mais si nous utilisons aujourd'hui le pouvoir que nous avons à cause de Jésus pour résister au diable et nous soumettre à Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Lisons ces versets-là et nous allons nous quitter. Jacques, chapitre 4. Lisons le livre de Jacques, chapitre 4. Allons-y au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous savez, je peux dire beaucoup de choses ici, mais il faut premièrement connaître se soumettre à Dieu. Quand vous vous soumettez à Dieu, ne vous arrêtez pas là-bas. Exercez votre autorité. Exercez votre pouvoir. Prenez autorité. Imposez les mains sur vos enfants. Imposez vos mains sur votre maison. Commandez à tout ce que le diable est en train de faire dans votre vie de partir. Et la Bible vous garantit ici, il fera l'un de vous. Si vous avez une question en rapport à cet enseignement sur Job, n'hésitez pas à me l'envoyer et je serai honoré de vous répondre. Attendez à la fin de ce programme et vous saurez comment nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit prochainement. Los ambos Nangai kolo yanolae kolela.